Non, tu viens te mettre, non, viens. Regarde ce que tu vas faire. Vous allez vous mettre au milieu, c'est bien. Voilà, mettez-vous au milieu, voilà. Mettez-vous entre vos parents. Voilà, vous êtes mignon comme ça. Il y a quelques années que vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui, c'est ça qui fait. Mais c'est ça qui est formidable. Voilà. Il y a quelques années que vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui, vous voici devant nous. Vous êtes devant nous. Fabienne. Il y a quelques années que vous êtes rencontrés. Ça y est. Pauvre Lauriane, elle était déjà émue. Désormais, c'est une nouvelle étape dans votre vie qui débute. Après ses voeux, vous pourrez dire, il est mon mari, elle est ma femme. Enfin, Lauriane ne me regarde pas, tu regardes Christopher. La légende dit que les alliances virent le jour au temps de l'Égypte ancienne. Les jeunes époux plaçaient un anneau sur l'annulaire de la main gauche. Ce doigt, pensait-il, avait une veine reliée directement au cœur. L'anneau, de par sa forme, représentait un mariage sans fin. Des milliers d'années plus tard, c'est vous, Lauriane et Christopher, qui vous vous apprêtez à échanger vos alliances. Un moment symbolique, un geste qui vous liera l'un à l'autre pour toujours. Ces alliances vous rappelleront chaque